Cette semaine, IGA m'a mis au défi de cuisiner avec un de leurs produits révélation. Et j'ai choisi la crème glacée vegan Chagnon. On va faire un gros biscuit géant aux pépites de chocolat vegan. Une recette de biscuit, ça commence toujours de la même manière, avec du sucre et du beurre vegan dans ce cas-ci. On va venir battre ça pendant environ une minute. On va venir ajouter notre vanille. Et pour remplacer l'œuf, parce qu'il y a souvent des œufs dans les recettes de biscuits, on va mettre un petit peu de lait de soya. Et on continue. Et voilà. Dans un autre bol, j'ai de la farine. Le secret de cette recette-là, c'est de la poudre d'amande ou de l'amande moulue. Ça donne un bon petit chewy. Un petit peu de poudre à pâte pour faire lever les biscuits un petit peu. Du sel. Le sel, là, le but, c'est pas que ça goûte salé. C'est pour rehausser les saveurs. Donc, on vient mettre une bonne cuillère à thé de sel. Et on mélange. On va venir ajouter nos brisures de chocolat. Et on mélange de nouveau. On vient mélanger nos ingrédients secs et nos ingrédients humides. Donc, avant de venir mettre ça dans notre poêle en fonte, on va venir le beurrer avec mon beurre vegan. On vient déposer notre mélange de biscuits. Puis on va venir mettre ça au four à 400 degrés pour, je dirais, à peu près 25 minutes. Regardez-moi ça, le beau biscuit. On a assez pour au moins deux personnes là-dedans. Une bonne crème glacée vegan en plus. Regardez-moi ça. Wow! Je vous souhaite un bon été!